Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Eh oui, je me suis habillée pour l'occasion, je suis à Saint-Martin, venue rejoindre une jeune et belle antillaise, on va dire une belle métisse, qui nous a proposé de l'accompagner et de la suivre ici. Elle s'appelle Céline et nous allons voir un peu de quoi il s'agit. C'est parti! Bonjour Céline. Bonjour Raïssa. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ah, tu es belle quand tu danses. Donc, tu es danseuse Céline? Oui, je suis danseuse. Je suis professeure de danse classique et de salsa portoricaine. Waouh! Et tu fais ça en Guadeloupe? En Guadeloupe, oui. Depuis combien de temps? Alors, je suis arrivée pour m'installer en Guadeloupe au mois d'octobre, donc depuis le mois d'octobre. Ok, ça a toujours été ta passion? Ah oui, c'est clair. Depuis que j'ai 3 ans peut-être, c'est clair. La danse, c'est ma vie. D'accord, et tu as commencé donc depuis l'âge de 3 ans. Et d'où t'est venue l'idée de danser la salsa? Pourquoi la salsa? Parce que le classique, je comprends. Le classique, mais la salsa, salsa, classique, salsa, classique. Il y a un truc qui va pas. Première chose, déjà, la danse classique, en fait, c'est la base de toutes les danses. Au niveau de la posture, de la tenue, de l'équilibre, etc. C'est super important. Alors, pourquoi la salsa? Donc, en 2010, je me promenais dans les rues de Miami. De Miami Beach, et j'entends au loin... La meuf, elle raconte, hein, excusez-moi. Hein. Non, pas du tout, j'explique simplement. Et donc, je me promenais et j'entends de la salsa au loin, donc c'était vraiment une musique qui m'attirait de base, mais je me suis jamais dit je vais commencer. Et donc, je suis rentrée dans le bar et il y avait un petit cours open level pour tout le monde, pour essayer, et le prof a dit venez, venez essayer. Donc j'ai essayé et là, voilà. Je danse depuis lors, je ne peux plus m'arrêter. D'accord. Ouais. Et tu penses que la salsa et le classique, ça va ensemble? Exactement. En fait, la danse classique, ça apporte tout le port de tête, le maintien du corps. Pour les techniques de tour, la tête, vraiment l'équilibre au niveau des jambes, les pieds et le fait d'être centré dans le sol. Et donc, en fait, une fois qu'on a cette base de danse classique, après, au niveau de la salsa, pour moi, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Ouais. Et en tant que danseuse, tu donnes des cours alors? Exactement. Alors, je donne des cours de danse classique aux adultes et aux enfants et des cours de salsa aussi, également, en dessous de New York. Waouh, 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 waouh. La fille, elle est petite, hein? Petite. Mais la vie, elle rigole pas, quoi. Et donc, et justement, alors moi, tu pourras me montrer 2-3 petits pas de salsa. Si, et tu prends les débutants, les avancés, tout le monde peut apprendre à danser la salsa, à ton avis? Ben oui, exactement. Enfin, il ne faut pas avoir un niveau, un prérequis pour danser la salsa. On danse la salsa déjà parce qu'on aime la salsa. On aime la musique et on a besoin de s'exprimer dessus et de sortir tout ce qu'on a à l'intérieur. Et voilà, c'est ça exactement, pour tout sortir. Donc, open level, débutant, avancé, on fait du tango, du classique, peu importe, de la kizomba. On peut faire de la salsa. Ah mais justement, la kizomba, on dit que kizomba, salsa, kizomba, salsa, je sais pas qu'il y a une guéguerre, mais c'est kizomba, salsa, quoi. Oui, c'est vrai que c'est assez différent. Il y a la kizomba qui est venue récemment sur le marché. Et donc, il y a beaucoup de salseros et salseras qui sont partis vers la kizomba. Ça n'a rien à voir en termes d'énergie. Donc voilà, on va danser la kizomba pour d'autres raisons. C'est très sympathique. Donc, à savoir, la kizomba, c'est une danse angolaise. Donc... qui africaine donc avec et non pas latine pour poser les pour choses. Info hein. Exactement, donc c'est vraiment différent au niveau de ressenti, on va pas rechercher la même chose. Donc en fait la kizomba vient du zouk, donc c'est Kassav qui a importé les sonorités musicales du zouk en Angola et donc ça a créé le samba et la kizomba. Ok. En plus on en apprend avec elle hein. Elle est super. Ah ben justement pour apprendre à danser, comment on fait pour te contacter? Eh ben alors je suis joignable sur Facebook ou sur Instagram. Alors, mon nom, c'est Céline, S-E-L-Y-N-E, Valmo, V-A-L-M-O. Super, Céline, merci beaucoup. Un petit pas pour finir? C'est parti, ensemble allez. Peut-être. Allez, allez. Alors, on commence toujours par la jambe droite. 1, 2, 3, 5, 6. Il fait beau, il fait chaud, nous sommes des salseras. Bon, alors j'arrête de chanter, ok. Ah, en fait, je suis en compagnie de Maëva. Bonjour Maëva. Bonjour. Elle est belle, elle est grande. Maëva, Maëva, je t'ai vue, tu étais en train de filmer ou prendre en photo, donc Céline, quand nous sommes arrivés. Oui. C'est une amie à toi, tu la connais? Oui, c'est une amie. D'accord. Et donc toi aussi, tu danses la salsa? Oui, je danse depuis maintenant presque 7 ans. 7 ans? Oui, ça fait un petit peu beaucoup là. Ouais, et je prends des cours avec Céline de classique et aussi des cours de porto avec Céline et Jimmy. Ok, d'accord, donc Jimmy qui est le partenaire de Céline. Voilà. Ok,
Super. Et ça te plaît ? Beaucoup, j'adore. Franchement, ça permet de s'exprimer, de rencontrer aussi d'autres personnes et aussi de voyager, donc c'est parfait. Et comment t'as connu la salsa ? Une fois, j'étais avec des copines, on a été dans un bar et j'ai vu des filles danser la salsa. Je me suis dit, ah non, ça, il faut c'est pour moi. Je vais faire. C'est ça, tu t'es dit ça ? Et c'était le déclic, donc après j'ai commencé à prendre les cours de salsa cubaine, puis de salsa portoricaine, et après... Bah... Et maintenant t'es pro ? Pas pro, mais avec un bon niveau. Avec un bon niveau, les gars ! Ok, super. Et selon toi, quelle est la place de la salsa en Guadeloupe ? Je trouve que c'est une place très importante, parce que la salsa, on peut la danser en étant jeune ou en étant un peu plus âgé. C'est-à-dire que si on la met dans un mariage... Tout le monde va danser, que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés, donc ça permet de se défouler, donc c'est une place très importante. Écoute, ben super, tant mieux. Et si tu as un petit message à passer aux gens qui n'osent pas se mettre à danser la salsa, est-ce que tu auras un petit message pour eux ? La danse, c'est la vie, alors venez danser. Venez danser avec Maëva, ça va être chaud ! Allez, go ! Et voilà, ETV en commune, c'est terminé, je suis entre la petite... Et la grande, les gars. Ah ouais, ça rigole pas. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Encore un bravo à Céline. Céline qui est une petite plante qui pousse et qui pousse. Prof de Sassa, on lui a fait un petit clin d'œil, un beau portrait en tout cas. Merci. Merci de nous avoir invités à venir te suivre. C'est génial. Et puis vous, n'hésitez pas à vous lancer dans quelle que soit l'activité que vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à nous contacter. Surtout, vous avez les informations qui sont juste en bas de votre écran. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de TV en commune. Allez, bye bye. Nous, on va danser. Yeah.